Bonjour le monde! Bienvenue dans le monde de Pandagne! Cette fois-ci pour les ongles, j'ai testé une nouvelle méthode, c'est les méthodes des incrustations. Et quoi de mieux pour une première que des véritables fleurs et feuilles? J'ai donc voulu incruster des fleurs de lavande et des fleurs de tamaris pour cet effet de pose américaine très light puisqu'on voit à travers. Et j'aime vraiment beaucoup utiliser la pose américaine pour cela car on peut exploiter toute la transparence de la pose. Et même si les ongles sont très longs, du coup ça fait des mains plus longues, plus fine, plus élégante, eh bien on n'a pas non plus l'impression que ce sont des ongles trop présents, trop mastoc. Eh bien du coup ça fait une pose très élégante et toute en finesse. Donc voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo, je te montre comment j'ai procédé et on se retrouve tout de suite. C'est parti!
donc voilà le résultat terminé. Moi en tout cas j'adore cette pose. La pose américaine permet aussi pour que ce soit plus facile et plus rapide, bien que les incrustations font partie des poses les plus longues en nail art bien sûr. Il faut en plus toute une construction au-dessus, mais ça en vaut la peine. Et comme tu le vois, ça met beaucoup en valeur les fleurs que j'ai choisies. J'ai donc choisi des fleurs de lavande et des fleurs de tamaris, tout simplement parce que j'ai fait des cheveux un côté violet et un côté rose, un peu corail je dirais, mais avec plein de nuances en fait. Pour l'été, je trouvais que ça faisait quand même beaucoup plus sympa, avec beaucoup plus de peps. Voilà, j'espère que cette pose te plaît autant qu'à moi. Et puis je te fais plein de bisous panda. Je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao !